T'as trois options pour les courses hippiques. Soit le déchiffrage avec l'heure plus les minutes et tu rapproches avec mes cinq combinaisons. Le résultat de l'heure plus les minutes de ta course, tu rapproches avec mes cinq combinaisons. Sinon, l'autre option, c'est la combinaison A6-2-7 en couplet gagnant placé trio, voire 2 sur 4, et sinon 3-4-5 en simple gagnant placé. Et la troisième option, c'est la combinaison 15-9-12-5 avec 10-13 et 6-9 en simple gagnant placé. Et 15-9-12-5, ça se joue en 2 sur 4 couplet placé. Très rarement en couplet gagnant, très rarement en trio. Voilà. Ok? Tu as trois options pour les courses hippiques. Ok? Allez, on va faire un peu de jeu Fortnite. Après, si tu veux peaufiner ton prono, faut partir dans des modes de raisonnement, dans des calculs, hein. C'est comme ça, hein. Moi, j'aime bien le mode de raisonnement, un mode de raisonnement par calcul pour égaler 13, pour égaler le nombre de partants. Tu pars de l'heure de la course pour égaler aussi l'heure de la course. Voilà. La date du 30 juillet, donc tu dois obtenir 29, 30 et 31. Voilà. Tu te donnes plein de résultats à obtenir. Voilà. Tu peux partir dans des calculs si tu veux peaufiner ton prono. Là, je fais un peu de jeu Fortnite parce que ça me change un peu les idées. Je joue un peu à Fortnite aussi. Il n'y a personne le